Salut les gars, c'est Louvard, j'espère que vous portez bien. Écoutez, déjà excusez-moi pour ma gueule matinale là ce matin, c'est un peu compliqué. Heureusement qu'on va faire les pecs. Là il est 9h45, j'ai un petit peu de retard là ce matin, j'ai un peu traîné, j'avais du mal à me réveiller, il faisait froid et tout ce matin. Avant de commencer la séance, j'avais envie de rebondir sur un commentaire que j'ai vu sur la vidéo hier qui me demandait quand est-ce que je faisais les abdos, parce que c'est vrai que je les avais jamais filmés. Et en gros, je viens à jeun le matin à la salle pour faire mon cardio, et juste après mon cardio j'ai une routine abdo que je réalise avant de venir prendre mon petit déjeuner, comme ce que je suis en train de faire. C'est juste que voilà, je suis tellement la tête dans le cul avant de prendre mon petit déj que j'arrive vraiment pas à filmer en fait ces moments là tu vois. J'ai vraiment besoin de me concentrer sur la tâche à faire qui est le cardio et ensuite ma petite routine abdo. Au final je pense jamais à prendre ma caméra à ce moment là parce que j'ai vraiment la tête dans le coltard. Donc ouais, les abdos sont faits en routine majoritairement tous les deux voire tous les jours. Donc là je mange mon petit déjeuner, toujours un véritable délice les gars. Il y a 45 grammes de whey isolate de chez Broadway. D'ailleurs en ce moment vous avez moins 20% avec le code LOUVARD20 comme c'est le Black Friday. Donc je vous invite à faire vos empêtes, à faire vos courses, à faire vos achats de Noël aussi si vous voulez kiffer. 45 grammes de flocons, 80 grammes de framboises, 20 grammes de beurre d'amande. Et avec ça, je mets de la cannelle et du sel aussi. Voilà, tout est dit. Et aujourd'hui, on fait les pecs. Donc tu vas kiffer sa race. Il est l'heure de commencer notre entraînement pectoraux et triceps du jour. Petit rappel triceps, comme vous me connaissez. Je commence encore une fois ici par l'échauffement. Je vais pas déblatérer longtemps. On part sur du 20 reps, 3-4 fois. On s'échauffe bien et on engorge les pecs. Toujours avant-bras, ici. C'est quoi cet écartement de merde? Ah oui, merde, c'est moi qui ai pas réglé, pardon. Ah oui, j'alterne un bras avec eux. Et je squeeze. Ça, c'est ma toute première série. Donc elle est plus légère que les autres. Oh. Ok, je monte tranquillement. Ensuite, on aura du développé incliné, encore une fois, à la Smith. Et après, on passera sur du coucher aux haltères. Là, je suis content, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je sais même pas si je pourrais avoir 40 kilos aujourd'hui, tu vois. Ok, troisième série. Je suis déjà pumpé, les gars. Et je suis déjà fatigué. Ça commence à être sérieux. Allez. Jour, ouvre la cage. Et viens ramener les avant-bras, pas les mains. Ok, fin de l'échauffement. Là je me sens déjà très bien engorgé, très bien pumpé. J'ai fait la même strat que pour les épaules aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai mis le débardeur directement sous le pull, rien à foutre. Je vais aller installer mon setup pour le prochain exercice et on enchaîne. On va attaquer sur le premier exercice de la séance, qui va être de l'incliner à la Smith. Donc là, aujourd'hui, j'avais pas de banc réglable, donc tu connais, on fait ça comme des loustiques. J'ai mis un step, un banc droit. Et ça fait largement le taf, hein. Le but c'est d'être légèrement incliné pour aller chercher plus la partie supérieure du pec encore une fois, plutôt que voilà, d'aller chercher un coucher plat, ok. Donc là je vais faire mes séries de chauffe, j'ai mis 10 de chaque tranquille, je vais bombarder sur du 20-30 reps, et ensuite on va augmenter le poids petit à petit et faire des séries de plus en plus lourdes. Le but c'est d'arriver à 4 séries de travail, et sur ces 4 séries de travail, je suis bien. Sur ces 4 séries de travail, on aura du 15, du 12, du 8 et du 6, donc ça veut dire qu'au fur et à mesure des séries, on va augmenter le poids. Ma série de chauffe, et on envoie. Première série de travail, là normalement il faut que j'aille chercher les 15, j'ai mis 20 et 10, je sais pas pourquoi, je voulais enlever les 10 et mettre les 20 par-dessus, mais bref. On va essayer comme ça, normalement ça va être dur là. Mais bon, comme ça on rentre direct dans la séance. Au moins là, ça va me réchauffer. Allez, sac. Je pensais que j'allais plus galérer que ça en vrai.
Ok, je vais pouvoir rajouter une plaque de 10 pour aller chercher les 12 pour la prochaine. Le retrait va commencer seul d'après. Bon, bah écoutez, on y va ou quoi? On se fait chier là un peu. Tape les 12. Oh. Sors bien la cage. Wow. Ouh, ça donne chaud. Bon, c'est bien passé, je vais devoir encore monter le poids et passer sur du 8 reps. On va pouvoir attaquer la série. Oula, j'ai fait me péter la gueule. Le 8, j'ai rajouté les 5. J'ai un peu froid ce matin, les gars. Je sais pas ce que j'ai, je suis KO. Je suis fatigué, quoi, c'est tout. Mais du coup, j'ai du mal à me réchauffer. En plus de ça, là, comme je mets lourd et que je prends un petit peu plus de récup que ce dont j'ai l'habitude en ce moment, tu sais, là, je m'approche plus des 2 minutes, 1 minute 30, 2 minutes. En fait, j'arrive pas à chauffer vraiment, tu vois. Je sens que je suis congestionné, par contre. Et j'arrive pas à avoir chaud encore. Donc, avec la séance, là, on va mettre plus d'intensité. Et je vais bientôt débâcher, vous inquiétez pas. Je sais que vous attendez. Je sais que le watch time, c'est pour ça, gros. C'est pour le watch time, les gars. Je fais du watch suspense. Non, mais en vrai, là, je sens déjà que j'ai une très très bonne congestion. Je vous filme pas celle-ci. Je vous montre la plus lourde juste après. Du coup, ça va être du 6 répétitions, comme je te disais. Je sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui, j'ai mis mes chaussettes à l'Esbretz. Je suis pas breton, mais c'est tout comme. Ça me donne la force, ces chaussettes, ok? Ça me donne envie de bouffer une putain de galette et du Quinamon, surtout. Donc là, on part sur du 6 rep. Ça va être hardcore. Allez, on se concentre. On entabule. Au fait, sur les 8 avant, j'en ai fait 9. Donc là, je suis confiant. Let's go. Allez. Oh, j'enlève les 10 et j'en vois un peu. Oh, on est pas mal là. Couché là aux haltères. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait cet exo, ça va me faire du bien d'en refaire. Donc je vais m'échauffer tranquille et ensuite j'ai des séries entre 8 et 12 reps à faire, donc ça dépendra des séries, ça dépendra de comment je me sens en fonction de l'exo, parce que c'est pas mal de temps que j'en ai pas fait, comme je te dis. Donc là, je vais commencer à m'échauffer tranquille, je vais prendre les 20, chill, et on verra en ressenti, on verra jusqu'où ça va, sachant que les haltères, ils sont loin sa mère si je veux aller les chercher, là, les lourds, donc on verra surtout en fonction de ça. Allez, je fais ma première série. Voilà, je vais faire ma première série de 15 répétitions normalement. J'ai pris les 42, on va voir comment ça passe. Sachant qu'après je devrais faire 12, 8, 6, mais que les haltères s'arrêtent à 50. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de me cramer avec les séries plus longues. Parce que je pourrais pas monter trop. Puis même nerveusement, je suis bien cuit après l'incliné là qui a vraiment tabassé. You ready? On va voir ce qui valent les 2000 cales par jour là, ta mère. Easy. Très simple. Enfin très simple. Relativement proche de l'échec sur la dernière. Commence à manger un peu dans les épaules. On sait que je suis dans le bon rythme et dans la bonne fourchette de répétition avec les 42 là. Faire 10, etc. Et je vous filme la dernière. J'ai fait mes 3 séries là. Je vais pouvoir attaquer la dernière. Donc en fait je me suis trompé sur la dernière. J'ai pas du 8 reps, j'ai du 12 à faire. Donc j'ai fait 15, 10, 8 là. Et je suis resté à 42. Vous avez vu la première, je l'ai vraiment envoyé à l'échec à 15. Ensuite sur la 10, j'ai beaucoup plus contrôlé. C'était très dur. J'étais à l'échec à la 10e aussi. Et ensuite sur la 8 là, j'étais à l'échec à la 8e. Et un collègue qui est venu m'assister pour en faire une 9e. Donc j'ai passé 9. 8 tout seul. Donc en fait là c'est sur chaque rep je maintiens 2-3 secondes la descente, je bloque en bas une demi-seconde, une seconde, et après pouah, j'essaie d'envoyer. Je vais repasser à 32 et envoyer vraiment sur un tempo plus lent pour rester longtemps en tension. Bon allez, et après je vais débâcher. Bien tempo, bien croustillante, bien squeeze, bien yo tout le monde.
je l'ai pas. Oh la pute. Ah. Oh. Comment ça, je l'ai pas. Pff, salope. Voilà. Bon, c'était ma dernière là. Je vais passer sur le prochain exercice. Mais avant, je vous montre le pump. Parce que là, c'est zinzin. Là, j'ai chaud là. Ça y est. C'est le meilleur moment de la séance. Surtout quand t'es en sèche, que tu te vois maigre toute la journée. Quand tu débâches enfin, c'est incroyable. Mes pecs, je suis pas engorgé de, comme d'habitude, bizarrement. Bah si, en fait, j'ai menti. J'arrive pas le biceps cage à gauche. Pff, putain, ouais, j'arrive pas. Cette pose-là, je la kiffe. C'est la Stéphane Matala, quand il est là. Par contre, triceps, je commence à être un certain client là en ce moment, je suis content. Bon voilà, le pump. On va continuer, on a du... Soit je vais faire du décliné, soit je vais faire une machine pour plutôt le bas des pecs, parce que là le décliné il est pris, donc on va se mettre à une machine. Du coup je me remets sur cette machine là que je vous avais déjà présentée la semaine dernière, qui est juste super stylée je trouve. Donc ce qu'on va faire, c'est que là j'ai 4 séries de 12 à faire avec beaucoup moins de repos et beaucoup plus d'intensité. Donc là j'en ai déjà fait une, mais j'avais plus de batterie dans la cam, bref, j'ai changé entre temps, ça compte comme mon temps de repos. J'enchaîne direct les 12, toujours le step, hein. Là vous le voyez pas, mais je fais mon step là sous les pieds. Épaule bien basse, on dégage la cage et on bombarde ta mère. Oh. Ok, j'en fais encore deux. Là, je prends une grosse minute de récup. J'enchaîne les deux dernières. Comme on n'arrivait pas à passer une rep, je sais pas si vous avez vu. Vous êtes au milieu et vous sentez que vous pouvez plus. Ne stressez pas. Expirez l'air qui vous reste. Inspirez fort. Bloquez vos viscères, vos abdos. Bloquez tout. Gainez fort et réexpirez pour finir la répétition. Ça va, tranquille? Il y a mes affaires. Oui, qui marche sur mes affaires là. Elles sont rangées dans un coin. Bref. Bon là les gars, je vous le dis, j'enchaîne hein, les séries. Là c'est ma dernière. Je vais la dégommer. Putain, mais j'ai encore une pub. À chaque fois, c'est un truc de ouf. Est-ce que vous aussi sur SoundCloud, ceux qui utilisent SoundCloud, là, dites-moi en commentaire, vraiment, je vais m'énerver. Avant, il n'y avait pas autant de pubs que ça. Là, j'ai l'impression que toutes les deux musiques, il y a une pub. Sur YouTube, c'est toutes les vidéos. Et du coup, moi, ça me saoulait d'aller sur YouTube. Je sais pas, hein, dites-moi hein, si c'est moi qui deviens fou, mais. Il m'en reste 4. C'est lourd là, c'est lourd. Oh, j'ai cheat, j'ai baissé. Je veux que l'échec soit à l'échec. Celle, pas celle. Oh. Night Lovell, les gars, ça manque à l'ancienne. Je vais en faire une dernière avec ce petit poids là. Et on va pouvoir passer sur. Ah non, j'ai un exercice d'écarté. Non, on va arrêter là. Je vais passer sur un exercice d'écarté plutôt. Ce sera plus productif. Ok, donc là, on passe sur le travail de finition. Donc là, je suis sur la poulie vis-à-vis, j'ai la chance de pouvoir l'avoir. Je tourne avec quelqu'un quand même, parce que c'est tout le temps pris. Et juste, je m'avance d'un pas. Donc déjà, tu vois, les poulies, elles sont relativement basses. Et je suis en écartement, ok? Je mets un pied un peu plus devant, mais tout dans les pecs. Je me penche pas en avant. Tu vois, je suis directement ici et là. Je mets tout dans les pecs. Parce que quand t'avances ton buste, bah t'as la traction. Et ça met moins de... C'est plus facile, en fait. Alors que là, je suis droit et ça va direct dans les pecs. Épaule basse, et on va taper les 20. Ouf. Ouf.
Ouh, là c'est dur. J'en ai déjà fait deux avant. Là c'est mes deux dernières. Oh, oh je suis lavé. J'ai mis la poulie, frérot. Donc là, j'ai 40 secondes, 45 secondes de récup pour vraiment terminer les pecs. Donc une petite minute, vraiment trop fort rien. Et j'enchaîne, donc là il m'en reste encore une. Là j'ai fini les pecs. Bien bombardé sa mère là sur les poulies vis-à-vis. J'ai enchaîné avec 45 minutes, n'importe quoi, 45 minutes de récup. Oh le rêve, jamais de la vie j'aurais 45 minutes de récup. Avec 45 secondes de récup, du coup j'ai tourné, j'ai bombardé, j'ai filmé qu'une série, tu vois, j'avais pas envie de trop parler, bref. Surtout que j'ouvre beaucoup ma gueule pour rien. Là, je passe à la poulie, vous connaissez, je vous l'ai montré la semaine dernière, je fais 5 minutes où j'envoie le maximum, c'est un rappel triceps. Là, ce que je vais faire. Aujourd'hui, j'ai la corde, donc la vie est belle. Et on va bombarder ce triceps de malheur. Viens par là, là. Voilà. Je crois que je te... Putain, mais hey, tu veux pas me regarder dans les yeux, en fait. Regarde-moi quand je travaille, gros. Donc là, je vais bombarder sur 5 minutes. Ici. Des reps propres. Et dès que je sens que je commence à être trop engorgé, j'envoie comme un bourrin. Et après, je baisse le poids sur 5 minutes. Donc là, je vais faire tous les petits poids là qu'il y a. Sans oublier les carottes. Lol. Et je vais bombarder comme ça. Pendant 5 minutes. Et après, cardio et check-up. Je vois que la série vous plaît. J'ai beaucoup de bons retours en commentaires, en messages. Les gars, envoyez des likes, envoyez des commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche si vous voulez voir la série et voir la notif quand la vidéo sort. Moi, ça me fait très très plaisir de faire ces vidéos. Le meilleur moyen pour que vous me montrez que ça vous plaît, c'est de faire tout ça. Ça prend une seconde pour vous, mais pour moi, ça change tout, vraiment. Merci à ceux qui le feront. Et ceux qui le font pas, demain, vous allez tomber malade. Et vous n'allez pas pouvoir vous entraîner pendant une semaine. Voilà. Bon allez, on se retrouve pour le check-up.